lonely churchyard where my Fury lies buried, falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living. James Joyce, et c'est un moment, je crois, particulièrement touchant. Et d'ailleurs, Philippe, alors qu'on était assis juste à côté, là, nous le récitait en anglais, ce qu'il connaît par cœur, ses dernières phrases. Juste les derniers mots, je les ai cités. On n'entend pas. Non, on n'entend pas. Non, ça marche. Si, voilà. Oui, c'est à peu près, si je me rappelle bien, on vient d'entendre « The snow falling faintly and faintly falling, like the descent of the last end upon all the living and the dead ». And the dead, c'est le titre anglais de la dernière nouvelle de Jean Dublin, et c'est le titre original, je crois. C'est les morts, mais avec cette particularité de « the dead », c'est un sens un peu différent en anglais, c'est ceux qui sont morts, ceux qui sont morts. Voilà, donc si on a choisi de projeter ce film, et si on a choisi aussi de commencer cette journée en compagnie de Philippe Forest, c'était pour peut-être vous faire appréhender Joyce d'une façon qui n'est peut-être pas celle avec laquelle vous l'appréhendez habituellement, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un auteur, et c'est une œuvre qui impressionne souvent, mais c'est aussi, ça c'est une œuvre absolument passionnante, comme il était dit dans le film qu'on vient de voir. C'est quand on tombe dans Joyce, c'est extrêmement addictif, c'est-à-dire que sont réunis un certain nombre d'éléments entre l'œuvre, qui est un peu énigmatique parfois, enfin, complexe à découvrir, à gravir, sa vie elle-même, qui est riche, et puis c'est cette profusion de documents, de livres, d'adaptations cinématographiques, enfin, d'études, de colloques, etc. Et c'est ça qui fait que les éléments biographiques, il y a des biographies formidables, la biographie de Richard Hellman que vous trouvez ici est une chose absolument passionnante. C'est tous ces éléments qui font que peu à peu, on met le doigt dans une sorte d'engrenage, si je puis dire, mais c'est quelque chose d'absolument fascinant. Voilà, donc commençons cette journée en compagnie de Philippe Forest, qui a donc consacré un ouvrage spécifique au livre Ulysse. Donc on a choisi d'organiser la journée cet après-midi de cette façon suivante. Dans un premier temps, donc on va parler de ce roman, Ulysse. C'est pas le premier roman de Joyce, mais on a décidé de s'intéresser à lui. Dans un deuxième moment, on entendra par Sophie Merceron la lecture du dernier chapitre du livre, qu'on a l'habitude d'appeler le monologue de Molly Bloom, enfin qui est Pénélope, le chapitre habituellement appelé Pénélope. Ensuite, nous rencontrerons Bernard Höpfner, qui a participé à la traduction de la dernière édition, donc celle qui est parue en 2014, qu'on appelle l'édition du centenaire, puisque c'est une édition qui paraît 100 ans après la journée qui est censée être, enfin, qui est décrite 2004 et 2014. Donc, j'ai trompé de 10 ans, pardon.
Parce que ça se passe en 1904, ainsi que d'ailleurs Jean de Dublin, qui est une nouvelle qui se passe, qui est censée se passer en 1904 aussi. Oui. Ça c'était dans le film. Voilà. Et ensuite, après cette rencontre avec Bernard Hoetzner, qui nous expliquera un petit peu les enjeux de cette nouvelle traduction, on rencontrera Daniel Ferrer, et ça nous permettra de faire une transition donc entre Ulysse et Finnegan's Wake. Je ne sais pas si on évoquera énormément Finnegan's Wake, mais Daniel Ferrer vient de faire paraître un ouvrage chez Gallimard qui s'appelle Brouillon d'un baiser, où il analyse, il étudie des manuscrits de Joyce qui sont des éléments préparatoires à Finnegan's Wake. Ensuite, nous rencontrerons Yannick Enel, qui a postfacé un texte posthume de Joyce qui s'appelle Giacomo Joyce, qui a été découvert, je crois, par son biographe, hein, Richard Hellman, c'est ça, enfin, je crois que c'est lui qui a, enfin, à l'occasion des recherches qu'il a fait sur Joyce, qui a exhumé ce texte-là. Donc c'est un magnifique poème d'amour écrit à Trieste, voilà une expérience qui s'est passée à Trieste, parce qu'il était professeur. Et puis, j'espère ne rien avoir oublié, et puis nous terminerons l'après-midi en compagnie de Claire Kilroy, qui est une jeune auteure dublinoise, et dont le dernier roman paru, qui est d'ailleurs a été traduit en français, qui s'appelle Affaires et Damnation, est un peu écrit sous l'égide d'une phrase de Finnegan's Wake, phrase qu'on retrouvait sur des billets de banque à une époque où il y avait encore des livres irlandais. Voilà, voilà un peu comment va se dérouler cet après-midi. Donc, j'en reviens après cette courte présentation à Ulysse et Philippe Forest. Comment ce livre arrive dans ta vie à un moment donné, et comment, à un autre moment donné, tu décides d'y consacrer finalement un livre qui est, est-ce qu'on peut le qualifier comme un essai, en fait, c'est un peu particulier, c'est un essai, puisque il y a un certain nombre de choses qui sont affirmées, mais c'est aussi un livre dans lequel on te retrouve souvent, enfin, puisque le principe même de cette collection, c'est d'associer un livre et sa vie. C'est ça, moi j'ai découvert Ulysse quand j'étais adolescent, et notamment à l'époque où je découvrais la littérature moderne et contemporaine, et plus particulièrement à l'occasion d'un certain nombre de séjours que j'ai fait, donc lorsque j'étais encore lycéen ou étudiant en Irlande. Et donc j'ai lu Ulysse quand j'avais, je sais pas, 15 ou 16 ans, sans y comprendre grand-chose, certainement, mais avec le sentiment d'être confronté à un ouvrage absolument capital qui me parlait aussi à moi d'une manière très personnelle. Et j'ai finalement assez peu écrit sur Joyce pendant de très nombreuses années, encore qu'il apparaisse notamment dans mon premier roman, il y a son deux pages qui sont consacrées à Joyce en Enfant éternel. Jusqu'à ce que donc me parvienne une proposition qui était la suivante, et que tu as évoquée, et que je vais préciser maintenant, a été lancée par Isabelle Grel aux éditions Cécile Defoe, une collection qui s'intitule Le Livre, la vie. Ça nous renvoie à la soirée d'avant-hier, je crois, hein, puisque c'est une idée de Roland Barthes, une idée que Roland Barthes expose dans son Roland Barthes par Roland Barthes. Et il évoque le projet qu'il n'accomplira jamais, mais de consacrer une année entière à un classique qu'il relirait, et tenant en quelque sorte le journal de cette lecture quotidienne. Donc c'est le principe de cette collection qui s'intitule Le Livre, la vie. Et moi, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'écrire sur Joyce et plus particulièrement sur Ulysse, parce que si on veut écrire en tant qu'essayiste sérieux, en tant qu'universitaire sur ce livre, il faut pratiquement y consacrer toute sa vie, parce que la bibliographie est devenue énorme, il y a une érudition absolument magnifique qui se déploie sur tous les continents depuis des décennies. Et donc, en amateur, on ne peut absolument pas rivaliser avec les spécialistes sur ce terrain-là. Donc il faut faire autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que je pouvais faire dans le cadre de ce projet-là, puisqu'il s'agissait de donner une lecture subjective du livre. Et en quelque sorte, donc, de montrer le mouvement de va-et-vient qui s'accomplit toujours, lorsqu'on est lecteur, et qu'on soit auteur ou pas, entre le livre que l'on lit et la vie que l'on vit. En même temps, je voulais que ce soit un livre utile pour les lecteurs de livres, parce qu'il se trouve, c'est quand même assez extraordinaire, mais il se trouve qu'il n'existe en français aucun livre qui soit une introduction, disons, à Ulysse. Il y en a de très nombreux en anglais, de qualité inégale d'ailleurs, mais en français, bien sûr, il y a beaucoup de spécialistes français de Joyce, qui comptent d'ailleurs parmi les
particulière. Mais le petit livre, disons, qui donnera un accès direct à Janis, et ça n'est pas inutile, parce que c'est quand même un livre qui déroule beaucoup de ses lecteurs, il n'existe pas, donc je l'ai écrit d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas un petit livre. Non, mais j'ai fait aussi court que j'ai pu. Et donc, mais ça reste quand même aussi court, je crois, qu'on pouvait faire. C'est une sorte de liste pour les nuls. Voilà, exactement. Mais en même temps, donc, c'est aussi donc c'est un livre qui peut intéresser les lecteurs potentiels et les lecteurs hypothétiques du liste, parce qu'il leur donne un certain nombre d'indications pour rentrer dans le livre et se diriger dans ce labyrinthe. Mais en même temps, donc, c'est un livre que j'ai écrit aussi en tant que romancier, c'est-à-dire dans lequel j'essaye de voir ce que ce livre me dit à moi en tant qu'auteur des romans que j'ai signés, et donc quelle lecture subjective je peux en proposer. Donc voilà, ça regarde du côté de l'essai et du côté du roman à la fois, sur mon principe même qui est celui de la collection. Ok, alors je ne sais pas si on va pouvoir, bien sûr, dérouler tout le fil du roman qui contient, je crois que c'est 18 chapitres, hein, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Maintenant, j'ai un peu oublié, ça fait 4 ans que j'ai écrit, donc je risque d'avoir des trous de mémoire, mais il y a des spécialistes dans la salle. Oui, oui, je crois que c'est 18 chapitres, en effet. Et alors, donc, le problème souvent qu'on rencontre beaucoup de lecteurs, enfin que j'ai rencontré moi-même, et qui fait abandonner, ce sont les tout premiers chapitres qu'on appelle la télémachie, c'est ça. Ou ce n'est pas le personnage principal qu'on verra plus tard qui arrive, mais Stéphane Dédalus. Comment, justement, Ulysse débute dans une sorte de, comment dire, de poursuite du propos qui a été développé dans Portrait de l'artiste en jeune homme. C'est peut-être pour tout premier clé d'entrée, c'est peut-être d'évoquer comment les deux livres se suivent, enfin se répondent. C'est-à-dire, donc, avant d'avoir écrit Ulysse, Joyce a écrit un ensemble de textes, un roman qui est resté inachevé qui s'appelle Stephen Hale, Stéphane le héros, et puis un autre roman qui est très célèbre, qui a été traduit sous des titres différents et qui s'intitule maintenant Portrait de l'artiste en jeune homme, c'est un titre qui est plus conforme au titre original. Et donc, le personnage principal de ce livre, c'est un certain Stephen Dédalus, qui est, on peut dire, le double de Joyce, jeune homme. C'est un jeune poète, donc, qui va se rebeller en quelque sorte, je simplifie, hein, qui va se rebeller contre sa famille, contre sa société, contre l'Église. Une certaine célèbre formule qu'il utilise dans le livre en disant le silence, l'exil et la ruse, voilà les trois armes que je vais employer désormais. Donc c'est la devise de ce jeune homme rebelle, romantique et révolté, qui choisit la voie de l'exil à la fin de Portrait de l'artiste pour accomplir sa vocation. Ce qui fut aussi le cas dans une certaine mesure de Joyce, qui a quitté l'Irlande et qui s'est installé sur le continent européen. Et donc, dans Ulysse, Joyce reprend ce personnage, qui est en quelque sorte son double, mais de telle sorte, comme tu l'as expliqué, qu'il va jouer un rôle désormais secondaire à l'intérieur d'Ulysse, qui voit apparaître une autre figure, qui est la figure du personnage principal, qui est le double. Alors je le dis tout de suite, mais moi je crois que... comment dire, un des enjeux de l'interprétation d'Ulysse se situe là, c'est-à-dire je crois que, enfin, c'est une opinion personnelle, mais je crois que on a tendance parfois à confondre Stephen Dédalus avec Joyce, et donc à accorder trop d'importance au personnage de Stephen, et trop peu d'importance au personnage de Léopold Bloom, ce qui tord en quelque sorte, à mon avis, le sens du propos de Joyce. Mais bon, alors que dire de justement de ces premiers chapitres où on retrouve un groupe de jeunes gens dans la fameuse, enfin je dis la fameuse, dans la tour Martello, devenue fameuse depuis. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces premiers chapitres? Comment dire, faciliter leur lecture? Parce que franchement, je pense que c'est un peu eux qui font que souvent on fait demi-tour et qu'on n'arrive pas jusqu'à l'apparition de Léopold Bloom, qui est plus lumineuse. Disons que ce qui fait la difficulté de ces chapitres-là pour un lecteur non préparé, et un lecteur qui aurait été un peu ignorant de toute la littérature qui a suivi, c'est l'usage qui n'est pas systématique, mais qui est quand même important. Disons que Joyce fait d'une technique qu'il prétend avoir emprunté à un écrivain français qui s'appelle Delaurier, qui est la technique du monologue intérieur. C'est-à-dire, en fait, Ulysse est un livre qui est écrit à la troisième personne,
comme Madame Bovary, et d'ailleurs il y a un certain nombre de rapprochements à faire, mais avec cette particularité que la pensée à la première personne du personnage s'insinue à l'intérieur du récit. Donc si on n'a pas compris cette chose-là, ou si on ne la comprend pas, si on ne l'aperçoit pas, on peut être effectivement perdu, mais on est perdu seulement si on est un lecteur exclusif de Balzac, de Zola, etc. Parce que la plupart des grands écrivains postérieurs à Joyce s'inspirent de Joyce, d'ailleurs. Hein, c'est le cas de Virginia Woolf très vite, c'est le cas de Faulkner, c'est le cas de Claude Simon, c'est le cas d'un peu tout le monde, ont adopté en quelque sorte cette technique narrative avec laquelle un lecteur d'aujourd'hui doit en principe être familier. Donc ça, c'est la difficulté. Mais en même temps, moi j'insiste beaucoup là-dessus, je trouve que Ulysse, c'est un livre très lisible, ça raconte une histoire. Qu'est-ce que ça raconte? Oui, pour répondre à cette question, ça raconte comment Stephen Dedalus est revenu de Paris. Il était parti pour accomplir sa vocation de poète et faire des études de médecine qui ne l'ont pas mené bien loin. Il est revenu parce que sa mère était en train d'agoniser. Et donc, il est allé la trouver sur son lit de mort, et contrairement à ce qu'elle attendait de lui, il a refusé de s'agenouiller auprès d'elle pour prier, dans une posture qui je sais pas, de non-soumission, hein. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il porte en quelque sorte la culpabilité de n'avoir pas accédé au dernier lieu de sa mère mourante. Et donc Stephen Dedalus vit dans cette tour Martello qui est l'équivalent d'un bunker, hein, c'est une construction militaire qui a été construite en Irlande pour protéger l'île, si je me rappelle bien, d'une hypothétique invasion napoléonienne. Et donc dans ce bunker, si on veut, enfin entre guillemets, squatté en quelque sorte par un certain nombre de jeunes gens. Donc Stephen Dedalus discute avec notamment avec l'un de ses amis, Samuel Buck Mulligan, sur le point de savoir s'il a eu ou non raison d'adopter cette attitude au chevet de sa mère mourante. Alors il gagne sa vie comme professeur, disons, dans un collège des environs. On assiste au cours qu'il donne et à la décision qu'il prend de quitter son emploi. Il y a une grande conversation philosophique qui se déroule avec le directeur de l'école qu'il emploie, et puis on le retrouve à errer sur la plage de Sandy Mount, à quelques kilomètres de Dublin, et c'est là que cette technique du monologue intérieur prend tout son essor, parce qu'on est véritablement, enfin on a l'illusion d'être à l'intérieur de la tête du héros, qui contemple comme ça le paysage un peu sinistre qu'il a sous les yeux, un paysage donc de baie sur laquelle la mer s'est retirée en abandonnant toutes sortes de déchets, et comme Stephen Dedalus est un personnage d'intellectuel, il médite en convoquant la philosophie d'Aristote, l'exemple de Berkeley, enfin beaucoup de choses savantes et un peu risibles aussi, à la lumière desquelles donc, il considère l'impasse dans laquelle il s'est engagé, parce qu'il a bien le sentiment que le désir de littérature qu'il habite, ben, peut-être il ne parviendra jamais à le mener jusqu'au bout. Mais avec, et je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, avec une ironie constante de Stephen à l'égard de lui-même, et derrière cette première ironie, en quelque sorte, une ironie seconde, qui est celle de Joyce à l'égard de son personnage. Joyce est en train d'ironiser le jeune poète qu'il a été, presque, je dirais, de le tourner en ridicule, en tout cas de prendre des distances à la fois affectueuses et sarcastiques à l'égard du jeune homme qu'il a été, parce que quelque chose d'autre est en train d'arriver dans son œuvre et dans sa vie. À quoi correspond davantage le personnage de Léopold Bloom. Et donc, si on reste fasciné par Stephen Dedalus, qui est un personnage magnifique aussi, hein, mais si on reste fasciné par Stephen Dedalus, à mon avis, on ne voit pas arriver cette autre chose-là qui est pour moi l'essentiel et qui fait la valeur de Dedalus. Néanmoins, c'est, puisqu'on évoquait un livre il s'agit de ramener un classique de la littérature à sa propre vie. Le fait que Stephen Dedalus soit professeur est l'occasion pour toi de parler de toi en tant que professeur. Par exemple, c'est une des premières fois, enfin par l'introduction où tu expliques dans quelles conditions ce livre est arrivé, enfin tu l'as découvert, lu, relu, etc. Voilà, donc c'est ainsi que s'enclenche ce dialogue qui va s'instaurer entre cette œuvre et ta propre vie. Et c'est l'occasion pour toi de parler du fait d'enseigner. Oui, je parle de ça et de beaucoup d'autres choses, et parfois sur un mode beaucoup plus intime que je ne le fais dans mes romans qui sont pourtant censés être directement autobiographiques. L'essentiel pour moi, c'est la question du vieillissement. C'est-à-dire, moi j'ai lu la première fois Ulysse alors que j'étais plus jeune que ne l'est le personnage de Stephen Dedalus dans le roman. J'avais
15 ou 16 ans, je ne sais plus exactement. Et lorsque j'ai repris le livre, alors que lors de ma première lecture, Léopold Bloom apparaissait comme un quasi-vieillard, je crois qu'il a 36, 38 ans, quelque chose comme ça, en fait, dans le livre. Lorsque j'ai relu le livre, donc, j'avais moi-même à l'époque 49 ans ou 50 ans déjà, Léopold Bloom était devenu plus jeune que je l'étais moi-même. Et ça m'a amené à réfléchir justement sur ce passage du temps, sur ce que l'on a été, sur ce que l'on devient, sur le lien très hypothétique qui existe entre les différentes figures de soi-même dans lesquelles on passe. Et donc, bon, effectivement, du côté de l'autobiographie, il y a cette question du métier qu'on exerce, le métier de professeur. C'est pour ça que j'aime beaucoup le chapitre qui s'intitule Carrie, enfin, qui s'intitulerait si Joyce avait choisi de garder les titres. Qui s'intitulerait Caribe des Silla et qui montre le jeune Stephen Dedalus donc faisant une conférence à la Bibliothèque nationale d'Irlande sur l'œuvre de Shakespeare et plus particulièrement sur Hamlet. Parce que grâce à cette technique du monologue intérieur, on a en même temps la conférence intellectuelle de Stephen Dedalus et les pensées qui traversent Stephen Dedalus alors qu'il parle et qu'il lui arrive d'être visité par des visions très différentes. Je serais très amusant si on pouvait savoir, et très gênant bien sûr, et ça ruinerait toute possibilité de conversation sérieuse et d'enseignement, mais imaginez qu'on sache ce à quoi pensent les professeurs à l'heure qu'ils font cours, imaginez que vous sachiez ce à quoi je suis moi-même en train de penser à l'heure qu'ils font pas. Voilà. Et ça, c'est Joyce nous fait entendre en quelque sorte en stéréo. Voilà. C'est une forme d'une, du réalisme de Joyce. Joyce est un auteur de réalisme, contrairement à ce que je dis à plusieurs reprises. Ouais. Il parle de la vie, il parle du monde, il parle de l'amour, il parle de la mort, il parle du deuil, il parle du désir. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de se détourner de l'œuvre de Joyce en imaginant que c'est une œuvre purement intellectuelle, métatextuelle, qui ne parlerait pas de littérature. Elle en parle, mais on ne peut parler de la littérature qu'à la condition de parler aussi d'autre chose en même temps. Voilà. C'est ce que montre bien notre Joyce. Alors, autre personnage qui arrive, dont on a parlé, et dont on a plutôt tendance quand même à en faire le personnage central d'Ulysse, c'est Léopold Bloom, puisque Ulysse, c'est une journée de Léopold Bloom à Dublin, le 16 juin 1904. Alors, c'est qui ce Léopold Bloom? Alors, c'est un publicitaire, marié, père d'une petite fille, père également d'un fils qui est mort peu de temps après sa naissance. Il est juif d'origine, il est dublinois, irlandais. Et si Joyce a choisi d'en faire son héros, c'est un homme entre deux âges, donc c'est parce qu'il lui semble correspondre à Monsieur Tout-le-Monde, en quelque sorte. C'est-à-dire c'est une figure qui assume de la manière la plus large, la plus extensive, la possible dimension identificatoire qui est celle de tous les bons. Héros de roman. Here comes everybody, voilà. Monsieur tout le monde. Voilà. Donc c'est vous, c'est moi, c'est Jason, c'est tout le monde, c'est Ulysse qui lui-même est personne, et c'est l'un des plus grands personnages de la littérature romanesque de tous les âges. Et en quoi c'est l'un des plus grands personnages de ben justement, de par cette universalité qui est la sienne, et puis de par le caractère pathétique, spirituel. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ce qui étonne, j'ai eu l'occasion souvent d'en parler avec des lecteurs, mais quand même, c'est un passage très médiocre. Même Stephen Dedalus, c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas le prendre au sérieux, Bloom, etc. Moi, je vote Bloom. Alors, on ne va pas pouvoir, bien sûr, évoquer absolument tous les chapitres. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais justement, tu parlais de Carrie des Silla, mais il y a peut-être pour rendre attachant Bloom, particulièrement attachant, c'est le chapitre qu'on appelle le chapitre des sirènes, où une chose va apparaître, c'est une caractéristique assez sentimentale de Bloom à travers l'évocation de ballades irlandaises, de chansons. Et là encore, c'est pour toi l'occasion de faire un parallèle avec des choses qui peuvent être chères, ou alors le fait d'insister sur... c'est un héros aussi sentimental. Les romans vraiment intéressants sont des romans sentimentaux, sont des romans d'amour. Oui, Joyce assumait cette sentimentalité-là, même si en même temps, parce que c'est un grand écrivain, il est capable de la tourner en dérision et donc de s'en détacher.
Quand je dis que c'est un roman d'amour, c'est parce que donc Léopold Bloom et Moni Bloom vivent ensemble, mais ils ont été séparés par la vie, par le drame qui a constitué pour eux donc la perte de leur enfant à la naissance. Molly est beaucoup moins fidèle que l'est Pénélope chez Homer. Léopold Bloom est tenté par toutes sortes d'aventures sentimentales et sexuelles qui avortent assez piteusement les unes après les autres. Et en même temps, ce qui est en jeu, c'est ça, c'est ce qui se joue entre un homme et une femme, avec cette sentimentalité assumée qui est celle de James. Donc effectivement, moi on retrouve un petit peu, je me suis amusé, et ça n'intéressera que les gens qui ont lu mes romans, mais je me suis amusé à distribuer à l'intérieur de la structure que constitue l'Ulysse de Joyce un certain nombre de références plus ou moins cryptées à mes différents livres, à l'Enfant éternel, à Toute la nuit, ou encore au Nouvel amour, pour ce qui est de cette question de la sentimentalité. L'épisode des sirènes, c'est à ça que ça renvoie, hein, c'est-à-dire Ulysse. C'est l'homme de la ruse, c'est celui qui s'expose au chant des sirènes. Enfin, tout le monde connaît l'épisode dans l'Odyssée. Hein. Donc, il se fait lier au mât de son navire, et de telle sorte qu'il puisse entendre le chant des sirènes sans succomber à l'appel de mort que celle-ci lui adresse. Donc, il veut jouir du sentiment sans payer le prix qui va avec. C'était la définition même du sentimentalisme qui est donnée par Joyce dans son roman. Enfin, il y aura aussi beaucoup de choses à en dire, mais en tout cas, pour aller à l'essentiel, il y a cette acceptation du sentimentalisme et du pathétique qui me semble utile et indispensable à un grand écrivain. Et donc, on est encore une fois très très loin de l'image d'un Joyce purement cérébral qui prévaut à la fois chez les détracteurs de Joyce et chez certains de ses admirateurs. Alors, comme c'est un auteur qui a été abondamment étudié, analysé, et puis qui dispose d'une grande biographie, je crois qu'on peut dire ça, non, que la biographie de Richard Hellman, c'est vraiment une biographie fouillée, intelligente, etc. Oui, c'est passionnant à lire. Ouais. C'est passionnant à lire, ça se lit comme un roman, ouais. Aussi, un autre roman, un roman en parallèle. Donc on sait énormément de choses sur lui, de sa propre vie, et on peut lire aussi ses œuvres en fonction d'un élément, de ses éléments biographiques. Ah oui, alors ça c'est très important aussi, j'ai découvert ça dans le livre de Frank Badgett, qui est une sorte d'ouvrage dans lequel cet ami de Joyce raconte les conversations qu'ils avaient ensemble au moment même où Joyce était en train d'écrire Ulysse. Et donc il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que justement ça allait dans mon sens, et c'était susceptible de me servir à diverses occasions pour aujourd'hui, c'est Joyce discute et il dit moi je en fait il prend le parti de la littérature autobiographique. Il dit Rousseau racontant un vol de petite cuillère qu'il a effectivement commis. Alors je crois qu'il se trompe un petit peu, parce que je crois que dans les confessions c'est plutôt un ruban ou des pommes que Rousseau vole pour une petite cuillère, mais peu importe. Rousseau racontant un petit larcin qu'il a effectivement commis, est beaucoup plus intéressant que Dostoïevski racontant un crime monstrueux qu'il n'a fait qu'imaginer. Voilà. Il y a cette revendication de l'autobiographique chez Joyce. Joyce est à mille lieues de ce qu'on peut appeler parfois les fictionalistes qui pensent que la littérature est d'autant meilleure qu'elle est éloignée du vrai, de la vie, du réel. Non, pour Joyce, un roman doit être gagé sur la vie, il doit être gagé sur le vrai, et c'est le cas d'un roman. C'est le cas de cette nouvelle, Les Morts, où la relation entre Gabriel et Greta, enfin, ce souvenir, ce jeune homme qui est mort d'amour pour Greta, il y a eu l'équivalent dans La Vie de Nora, je crois. Oui, c'est basé sur quelque chose, enfin, pour autant qu'on puisse le savoir, effectivement. Mais c'est vrai de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas dans une œuvre autobiographique au sens strict du terme, c'est-à-dire il y a toute la part de réinvention qui est propre au roman, mais ultimement, il y a malgré tout cette revendication autobiographique et réaliste qui est très importante, et qui apparaît aussi dans le chapitre qui est quand même formidable
de Caraïbes des Silla, parce que ce que Steven Dedalus explique, il est imaginé devant un parterre de poètes, d'universitaires, de philosophes, etc. Il vient leur parler sans complexe de Hamlet, et tous ils ont des théories extraordinairement sophistiquées, inspirées par le romantisme, le symbolisme, et tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, ça serait par le structuralisme, le post-structuralisme, etc. Bon. Et Steven Dedalus, il ne se dégonfle pas, il leur raconte en fait que Hamlet et toute l'œuvre de Shakespeare, c'est très simple. Ça s'explique parce que Shakespeare s'est fait culbuter dans un champ de blé par une femme plus âgée de lui, que lui, qui a pris sur lui un ascendant sexuel tel qu'il n'a jamais pu véritablement se soustraire après à cette emprise, et qu'elle a couché avec ses frères, les frères de Shakespeare, donc humiliation du grand homme. Après, il y a la question de la mort de l'enfant, la mort du fils de Shakespeare qui s'appelait Hamlet, etc. Donc en fait, Steven Dedalus est en train d'expliquer à ces gens-là, qui sont bien sûr extraordinairement choqués dans leurs préjugés, dans leurs prétentions et dans leur vision assez fumeuse de ce que c'est que la littérature, que toute l'œuvre de Shakespeare, de part en part, est une œuvre autobiographique, et qu'il faut lire de cette manière-là Hamlet pour enfin le comprendre. Voilà. Le grand maître à penser de Steven Dedalus et de Joyce, c'est Aristote, c'est-à-dire la philosophie réaliste par opposition au platonisme. C'est ça l'idée de Caraïbes des Silla. En bon dialecticien, il faut savoir trouver son chemin entre Caraïbes des Silla. C'est-à-dire entre l'idéalisme et le réalisme, c'est-à-dire entre Platon et Aristote. Mais, dit bien Joyce, en accord avec Homère, il y a un des deux monstres qui est beaucoup plus dangereux que l'autre. Donc il faut surtout se prémunir de l'idéalisme, et ça veut dire prendre le risque du réalisme. C'est exactement ça que fait Joyce. Il prend le risque du réalisme, et c'est comme ça qu'il décrit un parent. Qui, bien sûr, si on le lit comme tel, ne va pas plaire à tous les poètes, les philosophes et professeurs qui sont aujourd'hui les héritiers de ceux que Steven Dedalus a affronté. Alors c'est l'occasion aussi des pages d'évoquer relation avec une sorte de vision un peu donc universitaire de Joyce, avec laquelle tu aimes prendre tes distances quand même, c'est-à-dire qu'à la fois tu as lu toutes ces études, mais tu penses qu'il y a souvent des erreurs d'interprétation. Des erreurs, je ne me permettrai pas de dire ça, mais d'abord, il faudrait s'entendre sur le sens d'erreur d'interprétation, parce que moi, dans la série de livres que j'ai publié sur la littérature japonaise chez Cécile Defoe, je fais l'éloge du contresens et de sa beauté, donc je pense que le propre de la littérature, enfin c'est une banalité, mais c'est d'être ouverte à plusieurs interprétations. Donc je ne dis pas qu'il y a des interprétations justes, des interprétations fausses, mais il y en a qui me plaisent plus que d'autres, et il y en a qui me semblent donner une valeur plus grande au livre de Joyce que d'autres. Donc il faut voir qu'on en a eu un exemple, mais d'ailleurs très, très sympathique, dans le film qui a précédé. Joyce, ça rend souvent fou, et ça a conduit aussi à une sorte d'hypertrophie interprétative à laquelle on n'est pas toujours obligé d'adhérer. Enfin, en tout cas, moi, tout en rendant hommage aux spécialistes, parce que moi, je me suis servi de leur travail, notamment le travail qui a été conduit par l'équipe qui a réalisé la Pléiade sous la direction de Jacques Aubert. Donc moi, je n'ai pas du tout une position anti-intellectualiste. Ce serait vu ce que j'écris et vu le fait que je suis universitaire, ça serait quand même étrange de ma part. Mais il y a matière de séparer le bon grain de livret parmi toutes les lectures qui ont été proposées de Joyce. Et je crois qu'on peut dire qu'il y en a certaines qui sont délirantes. Et surtout, qu'on a tout à gagner à aborder sans complexe un livre comme Ulysse. Voilà. En se disant, bien sûr, vous pouvez aller vers des choses très compliquées, parce que Joyce y autorise aussi, mais on peut faire une lecture naïve de ce livre, au sens où on y cherche l'histoire d'un homme qui passe une journée à Dublin, qui quitte son domicile chez lui parce qu'il sait que sa femme va retrouver son amant, et qui rentre malgré tout chez lui le soir même, après avoir vécu une série d'aventures qui sont plutôt dérisoires et grotesques, mais qui sont à l'image de notre vie. Donc c'est comme ça. Oui. Alors justement, avançant, on arrive vers un élément final, parce qu'il faut avancer, on ne peut pas s'attarder sur tous les chapitres. Et il y a cette chose un peu inouïe que recèle ce roman, c'est justement son dernier chapitre, ce fameux monologue de Moonbloom qu'on va entendre tout à l'heure. C'est quand même une sorte de joyau
tout à fait particulier, même dans, dans l'histoire de la littérature. Tu peux nous en dire deux mots de ce monologue et de, enfin, je sais pas, l'importance qu'il peut avoir à tes yeux? Oui, bah, je pense que la lecture qu'on donnera à Sophie Merceron tout à l'heure sera suffisante pour convaincre les éventuels sceptiques. Mais moi, je le dis dans le livre, mais à chaque fois que je désespère un peu de la littérature, je relis quelques pages, notamment celle-là, et je me dis que malgré tout, c'est pas si mal que ça, ce que certains, en tout cas, arrivent à faire. Donc, on est au petit matin du 17 juin 1904. Donc, Molly a passé l'après-midi avec son amant, Diane. Léopold Bloom, lui, était à droite et à gauche à Dublin. Il rentre chez lui accompagné de Stephen Dedalus très tard dans la nuit. Il retourne se coucher auprès de sa femme. Et voilà, bon, y a un... Et puis, il y a cet épilogue qui est magnifique, qui a cette particularité, donc, de relever du monologue intérieur dont on parlait tout à l'heure, mais d'être écrit sur un mode poétique particulier. Hein. C'est un texte sans ponctuation, voilà, mais qui est en fait surponctué par le travail poétique sur la langue que Joyce accomplit. Donc c'est une sorte d'air d'opéra, si vous voulez. Voilà. Et donc c'est Pénélope Molly qui se rappelle sa vie, ses espoirs, ses désillusions, la jouissance que vient de lui donner son amant, l'amour qu'elle porte malgré tout à son mari, et toutes sortes d'autres choses de cet ordre-là. Il y a une question qui revient de façon lancinante dans Ulysse, c'est une question que Stephen Dedalus se pose à lui-même, il dit « Quel est ce mot que tous les hommes savent ?» Comme s'il y avait une sorte de secret, d'énigme, hein, dont chacun d'entre nous serait convaincu que tous les autres, sauf soi-même, le savent. Et donc, Stephen se demande quel est ce mot. Et lorsque sa mère lui apparaît sous forme de fantôme ou de vampire, dans le bordel qui est le théâtre du chapitre assez insensé qui s'intitule Circé, donc Stephen s'adresse à sa mère, hein, c'est un peu comme Ulysse qui rencontre sa propre mère aux enfers chez Homer. Et donc Stephen s'adresse à sa propre mère, il dit « Mère, maintenant tu le sais, dis-le-moi, quel est ce mot que tu as dans ça ?» Et bien sûr, elle ne répond pas. Moi je suis convaincu, je suis peut-être pas le premier à l'avoir pensé ou l'avoir dit, hein, c'est peut-être un lieu commun de la critique chrétienne, je ne sais pas parce que je n'ai pas lu intégralement, mais je suis convaincu que ce mot « tous les hommes savent », c'est justement une femme qui le dit, c'est-à-dire c'est Molly Bloom à la fin, parce qu'on sait que, enfin, on l'entendra tout à l'heure, mais le monologue se termine par ces mots « I will, yes », c'est-à-dire « oui », c'est-à-dire un oui d'affirmation, d'acceptation de la vie, du désir. Hein. Simplement, l'ironie du livre, c'est que ce mot-là, Molly le dit dans son sommeil, elle le dit en rêve, et que ni Stephen, qui est déjà parti, ni Léopold Bloom, qui s'est endormi à ses côtés, on ne l'entend vraiment, c'est une parole prononcée dans le vide, comme l'est toujours, en quelque sorte, la parole du vrai. Les livres servent à ça, à faire entendre dans le vide cette parole du vrai. Donc c'est ça, et beaucoup d'autres choses. Alors tu voulais te l'introduire par la lecture. Ah oui. Je voulais lire un extrait de... C'est assez bref. Je voulais lire un extrait du chapitre qui s'intitule « Les Lestrigons ». Ce qui renvoie au chant de l'Odyssée dans lesquels donc Ulysse et ses compagnons se trouvent les victimes d'une tribu de cannibales, d'anthropophages. Et donc transposé selon la grille odysséenne, qui n'est pas très importante, parce qu'on n'a pas pu se parler. Non, mais c'est tellement compliqué. Je me demande si c'est pas finalement ouais, non, mais je suis assez d'accord, ouais. Plus un masque, enfin je sais pas, un écran noir plutôt qu'une... Enfin, ça n'aide pas à la lecture. On peut très bien lire Ulysse sans... Oui, alors on peut peut-être en dire deux mots. D'accord. C'est-à-dire que Ulysse, Joyce, pour aider ses lecteurs, a fait une sorte de grille de lecture, et tous les termes qu'on attribue, les noms des chapitres, des positions philosophiques, des types d'écriture, il a rassemblé ça dans un grand tableau. Alors ça a été plusieurs tableaux en fonction des personnes auxquelles il les a adressés. Hein. Ouais, C'est comme ça qu'on les qualifie. Mais alors, donc, chaque chapitre donc, correspond à un champ de l'Odyssée. Ouais, et ensuite, il y a des considérations symboliques, des matières, etc. Si tu veux en dire quelques mots, voilà. Mais disons que c'est l'intention de Joyce, c'était
quand même de transposer l'Odyssée d'Homère dans le moderne, selon une méthode qui est une méthode de ce qu'on appelle après T.S. Eliot la méthode mythique, à laquelle beaucoup d'écrivains ont eu recours avant ou après Joyce, donc s'inspirer des mythes de l'Antiquité, Ulysse, Oedipe, Antigone, etc. Voilà. Mais chez Joyce, à partir d'un certain moment, ça a pris un tour un peu systématique. Donc simplement, il a choisi de faire en sorte que cet échafaudage, en quelque sorte, qu'il a aidé à construire son livre, au bout du compte, il le retire. Et si, je crois que c'est Gérard Genette qui dit ça, mais si le livre ne s'appelait pas Ulysse, personne n'aurait sans doute deviné qu'il s'agissait d'une transposition de l'Odyssée, parce que donc le livre peut être lu indépendamment de cette idée qui bien sûr on enrichit malgré tout la compréhension, mais qui n'est absolument pas indispensable. Et donc enrichir une relecture, il serait davantage que même qu'une première lecture. Oui. De toute manière, c'est un livre qu'on peut dire infiniment, indéfiniment. Sorte de manière de l'approcher, comme le proposaient les critiques. Et donc, il y a ce chapitre qui s'appelle Elias Trigon, qui est lointainement inspiré par l'épisode qui raconte l'affrontement d'Ulysse avec les cannibales, les anthropophages dont je parlais, et ça correspond donc au moment du milieu de la journée. Donc, Léopold Bloom ne peut pas rentrer chez lui parce qu'il devine plus ou moins que sa femme est sur le point de recevoir son amant. Il n'a pas, ça se comprend, tellement envie d'assister au spectacle. Donc, il traîne dans les rues et c'est l'heure de déjeuner, donc il cherche où il pourrait se nourrir, et donc c'est là que la grille odysséenne intervient, puisque Joyce nous propose un chapitre qui est comme une sorte de grande méditation informaliste et poétique sur la nourriture, sur le fait de manger ou d'être mangé. Il y a tout un arrière-fond un peu néo-darwinien qui sert au tableau que Joyce propose d'un monde dans lequel on a d'autres choix finalement que de manger ou d'être mangé. Voilà. Mais ça, c'est au deuxième degré, si j'ose dire. Enfin, deuxième degré, c'est pas l'expression qui convient, mais c'est vraiment à l'arrière-fond d'un récit qui est celui-là. Léopold Bloom cherche où il va manger, et finalement, il trouve un restaurant dans lequel on peut, et qui existe toujours à du moins aujourd'hui, et donc on peut aller déjeuner à son tour et manger si on en a envie. Moi, je trouve ça répugnant, mais chacun ses goûts. On peut manger un sandwich au gorgonzola arrosé d'un vin de Bourgogne, c'est ce que fait Léopold Bloom. Et il se promène le long de la Liffey, qui est la rivière de Dublin, et il y a toute une méditation très mélancolique qui se développe dans son esprit, parce que cette image du fleuve, ajoutée à l'image que j'ai dite précédemment, elle nous dit finalement que la vie est elle-même un fleuve qui s'écoule. Enfin, c'est la vieille méditation africaine sur le fait que jamais aucun d'entre nous ne se baigne deux fois dans le même fleuve. Et ça conduit donc Bloom à se rappeler ce que fut sa vie passée et à s'interroger sur, justement, j'en parlais tout à l'heure avec le phénomène du vieillissement, sur les différents soi-même que l'on a successivement été. Léopold Bloom se rappelle autrefois, donc lorsqu'il était heureux avec sa femme, voilà. Et il dit, j'étais plus heureux aujourd'hui, mais est-ce que c'était moi qui étais plus heureux aujourd'hui, ou est-ce que c'est moi qui suis moi aujourd'hui? Alors si c'est moi qui suis moi aujourd'hui, qui était ce moi qui était heureux hier? C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé et que j'ai repris dans plusieurs de mes livres, notamment dans Le chat de Schrödinger, c'est-à-dire cette méditation sur ce que Joyce appelle après Aristote l'infinie possibilité des possibles, et aussi donc le sentiment très incertain que chacun de nous a de sa propre identité. Et donc, à travers ce passage que je vais lire maintenant, qui est très bref, qui donc annonce le monologue de Molly Bloom, à travers les souvenirs et les sensations qui sont les siennes, sur un mode qui est finalement très proustien, Bloom se met à se rappeler. Il se rappelle la première fois qu'il a embrassé Molly Bloom, ce que on entendra tout à l'heure, mais vu du point de vue féminin, enfin non, d'un point de vue féminin qui est assumé par un homme, et ici c'est un point de vue masculin qui s'exprime et qui a aussi quelque chose d'assez féminin. Donc voilà ce qu'écrit Joyce et qui est censé correspondre aux pensées donc, qui traversent l'esprit de Léopold Bloom alors qu'enquête d'un restaurant, se promenant le long de la Liffey, donc il est en train de se rappeler les jours heureux de son passé. Le vin ardent sur son palais s'attardait une fois bu,
écrasant. Donc il est déjà, au restaurant, il a déjà pris sa collation, ce qui nous renvoie cette fois à la matinée de ce matin et au lien qui existe entre le vin, la vie et le livre. Donc le vin ardent sur son palais s'attardait une fois bu, écrasant dans son pressoir les raisins de Bourgogne, toute la chaleur du soleil. C'est comme une caresse furtive qui parle à ma mémoire. Au contact humide, ses sens se souvenaient. Cachés sous les fougères de Hoth, au-dessous de nous, la baie, au ciel dormant, pas un bruit, le ciel. La baie pourpre à la pointe du Lion, verte à Drumlach, vert jaune vers Sutton. Prairies sous-marines, des lignes marron clair dans l'herbe, villes englouties. Ma veste servait d'oreiller à ses cheveux, des perces oreilles dans les touffes de bruyère, ma main sous sa nuque. Tu vas tout me bouleverser. Oh, quelle merveille! Sa main, amole doucie par les onguents, me touchait, me caressait. Ses yeux, fixés sur moi, ne se détournaient pas. Allongé, au-dessus d'elle, en extase, j'embrassais ses lèvres à bouche, que veux-tu? Miam! Elle me mit délicatement dans la bouche du gâteau chaud à l'anis qu'elle avait mâché. Chair écœurante que sa bouche avait pétrie, aigre douce de sa salive. Joie, je le mangeais, joie, jeune vie, ses lèvres qui se donnaient dans une moue, ses lèvres douces, chaudes, collantes, comme des bonbons, des fleurs, ses yeux, prends-moi, des yeux consentants, des cailloux dégringolèrent, elle restait immobile, une chèvre, personne. En haut, dans les rhododendrons de Ben Hoth, une bique avançait d'un pas sûr selon des raisins de Corinthe. Cachée, derrière l'écran de fougère, elle riait, chaudement enlacée. Sauvagement, je me laissais tomber sur son corps, je l'embrassais. Les yeux, ses lèvres, son cou tendu, palpitant, sa poitrine de femme remplissait sa blouse en voile de bonne sœur, les bouts épais et tendus, chaudes. Chaud, j'y allais de la langue. Elle m'embrassait, j'étais embrassé. Tout à moi, elle ébouriffait mes cheveux. Embrassée, elle m'embrassait. Moi, et moi, aujourd'hui.